Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. De base, c'était principalement Shane, mais il y a d'autres trucs en plus. Et aussi, il faut savoir que toute la vidéo sera pas aujourd'hui parce que la commande Shane, je l'ai fait en deux parties. Donc, parce qu'il y avait un souci, j'arrivais pas, donc c'est en deux parties. Du coup, la deuxième partie, on la recevra plus tard, mais ce sera dans cette vidéo-là. Du coup, voilà, je vous expliquerai plus en détail à la fin certainement. Donc, on va commencer par déballer le colis Shane. J'arrive pas à l'oublier. Je vais recharger le peupon, putain, par elle, ça papote pas. Elle, c'est bien ma seule poupée, celle que j'appelle ma beauté. Dimanche matin, sort un bateau. 4 pour ses bêtises, 5 pour ses copines, 10 sur 10 pour sa franchise. Bébé, parlons franchement que je t'affranchisse, t'es tellement. Il y a des vêtements dedans, donc les vêtements je les serrerai après quand j'irai dans ma chambre. Crayon sur l'univers, c'est un truc de maquillage. Je pense d'abord je vais tout sortir et je déballerai après. Ensuite, ça c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Poudre de fixation, ça doit être un truc de maquillage aussi. Ils ont des emballages. Non, 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 mon téléphone. Mais t'es malade, toi. Je touche pas à mon téléphone. C'est pareil, ça doit être un truc de maquillage. J'ai commandé principalement du maquillage et des vêtements. J'ai commandé un bob aussi. Je sais pas si ça m'ira. Je ne sais plus ce que c'est. Vêtements. Ah oui, j'ai commandé des bracelets pour moi et Dylan. Avec nos initiales. Arrête. Ça, c'est chiant. Maquillage certainement. La fameuse robe, en fait je l'ai commandée, à la base je l'avais commandée en rose, en jaune fluo, donc ça c'était dans une autre vidéo unboxing et elle est incroyable. Et il y avait d'autres couleurs, donc je l'ai commandée en rose fluo aussi parce qu'elle a l'air incroyable. Et en plus on ira voir Barbie au cinéma avec Sarah et je me disais mais qu'est-ce que je vais mettre et tout en rose. Bon, là je suis tenue un petit peu rose donc ça va, mais voilà, mais je voulais plus une robe. Du coup, bah voilà, ça c'est parfait. Ça, je crois que c'est un ensemble. Mais je crois que, ouais, je l'ai commandé en deux fois. Je sais pas pourquoi, ça c'est commandé en deux fois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais de toute façon, c'est parce que je l'ai mis deux fois dans le panier. Et après, j'ai pas remarqué, mais il y avait le 2. Genre. Donc, les bracelets, je crois que c'est pareil. Je crois qu'ils sont en double aussi. En fait, du coup, je crois que j'en ai acheté 4. Bon, heureusement qu'il y avait des grosses promos. Ça, c'est. Des trucs pour estomper la poudre. Voilà, je commande en deux fois. Et encore mon initial. Elles ont encore un truc de maquillage. Au pire, c'est pas grave, comme ça, s'ils se cassent, on aura un secours. J'ai recommandé des brosses à sourcils. Là. Et j'ai commandé des petits pinceaux comme ça. Alors, après avoir mis au moins 5 minutes à déballer tous les trucs de maquillage, j'ai enfin terminé. Donc, je vais vous montrer et je testerai sûrement après, même si j'ai déjà le maquillage. Donc ça, c'est un gel à sourcils. Donc, pourquoi pas. Après, on a... ça, je crois que c'est... C'est un eyeliner, mais je ne sais absolument pas en mettre. J'en ai trouvé un vieux qui traînait dans le tiroir de ma mère. J'ai essayé de m'en mettre. Voilà, c'était pas très fameux. Si je retrouve la photo, je vous la mets au montage. Mais on a testé. De toute façon, j'ai vu des techniques sur TikTok pour l'appliquer facilement et tout. Donc, au pire, on testera. Oui, j'achète des trucs dont je ne sais pas m'en servir. Mais si on n'en a pas, on ne peut pas apprendre à s'en servir. Donc, après, ça c'est de la poudre. Vous savez, pour éliminer le teint. Je ne sais même pas comment on dit. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça, la dernière fois que j'ai ouvert un truc comme ça,
tout m'a explosé à la tronche. Ah, je crois que c'est bon. Oula. Je peux pas trop vous montrer. Voilà. Je sens que je vais en mettre beaucoup trop à chaque fois. Mais c'est quoi ça? C'est des... Ah, peut-être que... Attendez, je crois que je viens de comprendre un truc. En fait, c'est parce qu'ils sont bouchés. Je crois qu'il faut les ouvrir. Comme ça. Et comme ça, après, tu peux saupoudrer. Je crois. Hein. Sinon, je vois pas pourquoi il y aurait des... J'entends un feu de partout. Oui, je crois que c'est fait exprès. Voilà, et après comme ça, je crois qu'il n'y a plus qu'à saupoudrer. Ou ça se trouve, c'était pas du tout ça et je file la merde, mais... Je pense après genre... Ah, mais oui, je crois que c'est ça. Après, tu fais ça, il y en a un peu qui sort sur le dessus. Après, tu prends ça, tu mets comme ça et tu mets. Du coup, j'ai envie de tester maintenant que je l'ai fait sortir un petit peu. Tu fais ça. Bon, là, il n'y en a pas des masses, mais je m'en fous, c'est juste pour tester. Et après, tu fais ça. Oh, ouais, ça marche, ça se voit. Je crois qu'en fait, il n'y en a pas assez. Oh putain, c'est ultra compliqué. Par contre, comment tu fais? Tu fais genre comme ça. Ou alors, faut peut-être faire en mettant ça dessus. Comme ça, genre. Oui, bah ça marche. Hein. Bon, je vois pas très bien la caméra par contre, mais bon, je crois que c'est bon. En tout cas, j'adore les présentations, elles sont très bien. Même les emballages étaient super bien faits. C'est propre, mais cette marque là sur Shein, incroyable. Je crois que tout vient de là. Hein. Là, ça vient de là. Ça aussi, en fait, c'est leur marque de maquillage. Ça. Donc ça, c'est du contouring liquide. Parce que j'ai du contouring, mais il est pas liquide et j'arrive pas vraiment à m'en servir. Et je me dis, ça se trouve, bah, c'est parce que comme c'est pas liquide, c'est moins facile à appliquer. Du coup, j'ai pas envie de le tester en vidéo parce que j'ai déjà du maquillage et tout. Donc, après, on pourrait tester, j'ai pas mis de contouring. Donc, mais bon, ça paraît que j'adore. Il est super beau. Voilà, ensuite j'ai. Je crois que c'est un autre crayon à lèvres, ça. Ah non, c'est. Je crois que c'est pour mettre là. Genre. Ouais, c'est ça, c'est du blanc pour mettre ici. Je sais pas trop comment on met, mais. Vous voyez, pour que ça va se ressortir comme ça. Bon, là, j'ai mis un peu au hasard, là, mais. C'est compliqué de se maquiller avec une caméra, genre même si ça fait miroir, je sais pas, c'est pas le même rendu que sur un miroir. Ensuite, j'ai commandé un autre rouge à lèvres comme ça, mat, parce qu'ils sont incroyables. C'est pas du tout la même couleur, par contre, regardez, ça c'est celui que j'ai mis, que j'avais déjà, et ça c'est un autre. Lui il fait plus, il est plus rose foncé, l'autre il était plus rose flashy un peu. C'est pas vraiment flashy puisque c'est du mat. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas le même. Ensuite, dernier truc de maquillage, c'est du fond de teint. Bon, ça, c'est carrément un petit emballage. Donc ça, j'espère que ça va être de la bonne couleur. Ah oui, d'accord, ça se débouche comme ça. Je crois que ça c'est vraiment ma couleur de peau. Vous voyez celui-là, il est trop foncé. Ça c'est vraiment ma couleur de peau. Regardez, ça teinte comme ça. Ça c'est vraiment ma couleur. En fait, celui que j'ai mis là, c'était à ma mère à la base. Sauf qu'elle me l'a passé. Mais j'en avais commandé un sur Vova. Mais ça date de ouf. Et c'était cette couleur-là. Et elle m'allait très bien. Donc de base, c'est bon cette couleur. Mais par contre, je crois qu'il est très bien. Parce que... à retirer, ça part pas, c'est pas grave.
Voilà. Donc ça c'est le maquillage. Bon, du coup comme je vous ai dit, j'ai commandé des petits pinceaux comme ça là. Donc soit c'est des pinceaux pour rouge à lèvres, genre surtout qu'on s'en sert. Mais je l'ai plus acheté pour faire des motifs genre sur les yeux, vous voyez, que ce soit plus facile à appliquer. Et du coup les brosses à sourcils j'en avais quasiment plus, j'avais des roses à la base. Bah mes roses je les avais commandées en même temps que le fond de teint sur Vova et tout, je crois que c'était la même époque, donc ça date de ouf. Et du coup là j'en ai commandé en bleu pour changer. Et du coup les petits bracelets, je vous ai dit, je les ai commandés en double sans faire exprès, comme une tenue. Donc j'espère que la tenue va m'aller, comme ça bah c'est pas grave, au moins je l'ai en double. Puis voilà, ça a quand même coûté 13 balles la tenue, donc ça fait presque 30 euros les deux. Donc bon, j'ai vraiment pas fait exprès, comme quoi faites vraiment attention. Du coup ça c'est des bracelets, donc j'ai pris mon initiale pour la donner à Dylan. Enfin pour donner le bracelet à Dylan, et j'ai pris son initiale pour que ce soit à moi. Et du coup c'est pareil, j'ai commandé en double, mais du coup comme je vous ai dit c'est pas grave, je lui donnerai les deux avec mon initial et je garde les deux avec son initial, comme ça s'il y en a un des deux qui pète au moins on aura toujours l'autre. Et voilà, je crois que c'est tout pour la commande. Donc bah, y a des vêtements aussi, mais ça je vous ai dit, je teste dès que je suis là-haut. Et ouais, je vous montre tout le reste là-haut et je teste les vêtements là-haut. Bon, donc d'abord nous allons éprouver le bob, mais bon c'est pas grave. J'ai même pas de quel sens ça se met. Oh regardez, on peut faire ça. Du coup ça doit être... Ah bah non, en fait ça se fait des deux côtés. Je comprends plus rien moi. Ah ouais, en gros ça c'est les côtés, donc tu peux faire ça des deux côtés et le mettre comme ça. Ça va pas du tout, c'est très grand. En vrai j'aime bien hein. C'est grand mais ça se porte grand. Bon, avec mon outfit là ça va pas douche, mais sinon j'aime bien. Ça se met comment? C'est même pas du tout joli. Qui le porte comme ça même? Je sais pas à quoi ça sert. Bref, en fait le problème c'est qu'il y a des plis et tout. Mais sinon sans les plis. Donc là ça va pas trop. Mais sinon en vrai, ouais, je valide de ouf. Je sais pas si je le mettrais beaucoup, mais je valide. Ça fait un style de malade. Bon, les pressions ça fait bizarre, trop cool. En fait ça se voit que c'est du bas prix, vous voyez, genre de base, genre il y en a ils sont chers, vous voyez, les bobs comme ça, ça se voit que c'est de la qualité. Là ça se voit que c'est le même genre, mais ça se voit que c'est le même genre mais en bas prix, vous voyez. Bon, maintenant qu'elle est enfin partie, je vais pouvoir vous dire la vérité. C'est pas que j'ai fait ma commande chain en deux parties, c'est que j'ai fait deux commandes chain en fait. Oh, j'ai peur. En fait, oh putain, j'ai détruit ma coiffure. C'est pas grave, de toute façon, je vais la retirer ce soir. J'ai pris une photo sans faire exprès. Du coup, j'ai pas fait ma commande en deux parties. J'ai fait deux commandes parce que, après avoir fait cette commande-là, je me suis rendu compte que sur Shein, il y avait des grosses promotions. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas refaire une petite commande, vous voyez, avec quelques trucs que je voulais acheter dans cette commande là mais que j'hésitais parce que ça me revenait un peu à cher. Mais comme là il y avait des réductions, il y en avait aussi pour cette commande là mais voilà. Mais du coup il y avait des encore meilleures réductions. Ah, ça me stresse qu'elle parle en même temps que moi. Comme il y avait des plus grosses réductions, je me suis dit bah vas-y, je vais refaire une petite commande. Donc j'ai refait mais beaucoup moins cher que celle là j'ai fait une commande de 46 euros je crois. Et du coup, en fait, je lui ai pas dit parce que de base, elle vérifie ce que je commande. Et là, je voulais pas qu'elle vérifie parce que j'ai commandé un truc. En fait, vous voyez, on va avoir un nouveau chaton du coup le 31 août. On l'a réservé. De base, il était disponible le 1er septembre, mais la dame a accepté qu'on aille le chercher le 31 août.
Donc ça fait très tard, on cherchait une portée pour plus tôt dans l'année, enfin dans le mois d'août, mais je ne trouvais pas. Donc j'ai trouvé deux portées qui étaient disponibles le 1er septembre. Du coup... Mais pourquoi elle gueule comme ça? Du coup on va chercher le chaton le 31 août et ma mère elle a dit que comme quand on a eu Paco, on lui fera dormir dans la cuisine au début parce qu'on peut pas le laisser aller venir n'importe où, ça va être un chaton, déjà il risque de faire des conneries et en plus au début Richie et le chaton ne se connaîtront pas bien, donc au début il faut le temps qu'ils s'adaptent tous les deux et si on laisse le chaton aller n'importe où, il pourra passer entre les barreaux de la barrière pour bébé qu'on a mis devant la porte de la salle pour pas que Richie puisse sortir ou rentrer, on avait mis pour Ruby à la base et le chaton il pourra passer à travers donc il pourra partir dans la salle avec Richie et on sait jamais comme ils se connaîtront pas bien, enfin voilà, donc ma mère elle a dit on fera comme avec Paco, il dormira dans la cuisine dans un premier temps, on le mettra dans quelque chose, donc Paco à la base on l'avait mis dans un carton mais il arrivait à sortir du carton même quand on le fermait, donc on avait mis du scotch et tout une nuit parce qu'il faisait que de descendre, enfin de réussir à sortir du carton et à chaque fois on redescendait pour le remettre dans le carton parce qu'on avait pitié qu'il dorme sur le carrelage par terre parce qu'il pouvait pas re-rentrer dans le carton comme il voulait. Donc bref, donc après la famille d'accueil dans laquelle on l'a mis pendant qu'on est parti une semaine en vacances, non c'est l'école du chat qui nous ont prêté une cage, ils nous ont prêté une cage à lapins mais qui était quand même assez grande. Pour qu'on puisse le mettre dedans, voilà, pour la nuit. Donc, il avait cette cage pour dormir dedans, etc. Donc, c'était beaucoup plus pratique que le carton. Parce que du coup, après, on l'a rendu à l'école du chat. Et ma mère, elle a dit que là, le chaton, on le mettrait dans la cage de ma gerbille. Quand j'avais une gerbille, genre, elle veut qu'on le mette dans cette cage-là. Genre, qu'on retire les étages et qu'on le mette dans... Mais c'est beaucoup trop petit. Genre, vraiment, je sais pas si elle se souvient de comment la cage est pas très grande. Pour un chat, c'est pas possible. Même si c'est juste pour dormir, comme elle dit, tu mets pas un chat là-dedans, dans un truc aussi petit, c'est de la maltraitance. Encore, on dirait qu'il serait encore tout petit, petit. Genre, voilà, mais là, il aura quand même 2 mois, donc il sera déjà un peu grand. Tu peux pas le faire dormir dans un truc aussi petit. J'essaierai de vous mettre la photo au montage, parce que j'ai retrouvé une photo justement de la cage. C'est vraiment trop petit. Genre, tu peux pas. Et elle, elle est rentrée dans ce truc qu'on le mettrait dans ça pour dormir. C'est pas possible. Du coup, je m'étais dit, j'essaierai de trouver une technique, faire un carton, qu'on, même si on met du scotch autour, vous voyez, pour pas qu'il puisse sortir, faire un système de porte, vous voyez, genre qu'on puisse ouvrir et fermer, mais que lui puisse pas ouvrir, vous voyez. Genre, je me suis dit, c'est faisable. Mais sur Shane, je me promenais tranquille, du coup, pour voir si je rajoutais des trucs dans mon panier et tout pour la deuxième commande que je voulais faire. Et je tombe sur un truc que j'avais déjà vu sur Amazon, mais beaucoup plus cher. C'est une espèce de petite tente pour animaux qui se ferme avec des fermetures éclair, donc ils ne peuvent pas les ouvrir. Et elle était à... Je l'ai payée 10 euros parce que je crois qu'elle était à plus de 15 euros, un truc comme ça. Parce que déjà, elle était en première réduction, donc déjà, ça me faisait 12 euros et quelques avec la réduction. Et en plus de ça, j'avais un bon de réduction encore en plus, donc je crois que je l'ai payée que 10 euros au final. Donc vraiment, ça vaut archi le coup. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter pour que le chaton dorme dedans la nuit, justement ce sera beaucoup mieux que la petite cage. Du coup je veux faire la surprise à ma mère, je veux pas qu'elle le sache, je veux lui montrer quand je l'aurai reçu. Du coup voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas lui montrer ma deuxième commande. Donc j'ai commandé en scred avec mon argent PayPal et je lui fais croire qu'en gros la commande que j'avais faite je l'ai fait en 2 fois parce que ça avait pas marché ou je sais pas quoi pour qu'on aille chercher la deuxième commande en gros, mais qu'elle, elle croit que c'est juste la deuxième partie de cette commande là. Du coup voilà, mais du coup je vous montrerai, je vous ferai la surprise, j'ai acheté ça pour le chaton, ce sera mieux qu'il dorme là-dedans que dans la petite cage. Du coup voilà, donc c'est pas que j'ai fait la commande chain en 2 parties, c'est que j'ai fait 2 commandes chain, mais comme dans la deuxième commande il n'y a pas grand chose, et même dans cette commande là franchement il n'y a pas grand chose, je vous mets tout ensemble. Voilà, du coup maintenant que j'ai expliqué, go essayer les vêtements, et après je vous montrerai ce que j'ai acheté à Tourville, enfin il y avait un truc que j'ai commandé mais vous verrez. Alors du coup ça c'est la tenue que j'ai commandée, putain ça m'énerve, que j'ai commandé en double, j'ai le hockey en fait sans faire exprès, et du coup le haut en fait je suis pas très à l'aise dedans parce que le haut ça voilà quoi, genre t'es pas très à l'aise, il faut mettre avec un bandeau pas un soutif, mais voilà, donc le haut pas super à l'aise mais c'est joli, et le bas j'ai un short comme ça donc ça va,
Mais en fait, le problème, c'est que c'est super long et je marche dessus. Genre, regardez comment c'est long. Donc, le problème, c'est que je marche dessus. Donc, c'est pas très pratique. Mais sinon, en soi, la tenue est super belle. Mais super belle, mais pas très pratique dans le sens que tu marches dessus et que là, t'es pas très à l'aise. Mais... putain. Mais sinon, ça va. Je vous jure, c'est une catastrophe. C'est Romoi. Désolée, j'ai fait un petit live avec Sarah. Du coup, on va continuer la vidéo. Je sais plus du tout où j'en étais. Donc, faut que je continue d'essayer les tenues. Du coup, celle-là, je l'ai achetée en double sans faire exprès. Voilà, c'est pas grave. Au moins, je l'ai deux fois. S'il arrive quelque chose à une, j'aurai toujours l'autre. Voilà, ça m'évitera de la racheter. Ça se trouve, d'ici là, j'aurai grandi. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais mettre la jolie robe rose. Donc, ça, je sais ce que. Je sais qu'elle me va de base puisque je l'ai en jaune, mais on va quand même la mettre parce que de toute façon il faut que je prenne des photos pour mettre sur les avis Shane pour gagner des points. Donc dans tous les cas il faut que je prenne des photos, donc je vais la mettre. Mais attendez, dites-vous, après il va falloir tout que j'accroche. En plus j'ai déjà des vêtements à raccrocher que j'avais pas raccrochés qui datent un petit peu. Mais là j'ai encore plein d'autres trucs à raccrocher, du coup vas-y, j'ai trop la flemme, je pense que je vais le faire demain, je vais les poser quelque part en attendant. Et le rose est juste sublime, comme le jaune en fait, c'est fluo, c'est trop joli. Du coup, parfait, elle est incroyable. Donc comme la robe jaune, les bretelles sont trop grandes, du coup je fais des nœuds comme ça. Mais sinon vraiment elle est sublime. Par contre je crois qu'il y a un nœud, genre les bretelles elles sont pas à la même hauteur là. C'est pas grave, ça se voit pas. Du coup, plus qu'à essayer la tenue bleue, de base elle est super belle. J'espère que ça le sera sur moi et j'espère que ça m'ira. Attendez, je vais faire une transition tard les ouf. Du coup, je suis pas super fan. En fait, le haut là, comme c'est trop grand, en fait ça devrait être comme ça genre. Faudrait que ma mère elle resserre derrière. Mais du coup là comme c'est trop grand ça fait moche. Et après la jupe en soi ça va, c'est une jupe short genre. Donc en soi ça va. Mais le problème c'est que si le haut ça me va pas, que je le mets pas, faudrait que, comme je vous ai dit, faudrait que ma mère en resserre derrière. Mais la jupe je me vois pas la mettre avec autre chose que ce haut là. Donc voilà, ça va voir. Je crois que j'ai essayé tous les vêtements. Ok, maintenant je vais vous dire. J'ai acheté, merde. Du coup, on les avait commandés parce qu'ils en avaient plus. Magnifique. Regardez, je vais vous prendre en photo. Waouh. Bon. Du coup voilà mes petites baskets. Et maintenant en fait quand on est allé, absolument je le recharge. Du coup quand on est allé pour récupérer mes baskets, on est tombé sur un magasin qui vendait des t-shirts Barbie et tout. Mais en fait c'est des trucs pour dormir, en fait c'était des pyjamas Barbie et tout. Enfin bref, en fait j'avais pas capté au début, mais c'est un magasin que de sous-vêtements, de trucs pour dormir, donc de pyjamas et de maillots de bain. Ils vendaient des maillots de bain archi en promo, genre vraiment promo de malade. C'était moins 50% sur toutes les pièces de maillots de bain, donc c'était pas vendu l'ensemble. C'était des pièces vendues à part, donc le bas à part, le haut à part. Mais du coup, il y en avait qui allaient ensemble. Mais chaque pièce était à moins 50%. Donc déjà, ça fait une belle promo, sachant qu'il y en avait à 20€, ça faisait 10€. Il y en avait à 10€, ça faisait que 5€. Déjà, tout était moins 50%. Et en plus de ça, c'était 3 pièces achetées, la moins chère offerte. Donc promo de malade. 4 pièces de maillot de bain nous est revenu qu'à 21€. Alors qu'il y a une pièce qui coûtait 20€. Et au final, ça nous est revenu qu'à 21€. Donc comme si on avait acheté qu'une pièce quoi. Une pièce à 20€. Donc voilà, le problème, c'est que c'était en promo, voilà. Il y en avait des magnifique, mais s'ils font des promos comme ça, c'est parce que, genre, en gros, c'est du déstockage un peu, vous voyez, c'est plus le début de l'été, donc c'est pour ça qu'ils font des promos. Et le problème, c'est qu'il y en avait plein qui n'avaient plus du tout ma taille. Donc, déjà, je vous montre et je vais vous dire, en gros, vous voyez, il y en avait des paillettes comme ça, en violet clair, genre violet clair quoi,
et c'était paillettes comme ça, c'était genre trop trop beau et moi je voulais, sauf que il y avait pas ma taille pour le bas, il y avait que le haut qui m'allait. Et du coup bah après j'aurais pu acheter le haut. En vrai je regrette un peu, j'aurais dû acheter le haut. Mais en fait le truc c'est que du coup vous voyez comme c'était 3 pièces achetées, la quatrième offerte, bah c'est pour faire 2 tenues différentes. Vous voyez genre vous avez les 2 tenues de maillot de bain différentes. Et bah en fait si j'ai acheté le haut de l'autre, bah de la couleur violet et tout pour mettre limite avec le bas noir, bah ça nous serait revenu moins en promo, vous voyez. Parce qu'il aurait quand même été à moins 50%, donc en vrai j'aurais quand même pu l'acheter, mais en vrai j'aurais dû l'acheter je pense, mais c'est pas grave. Mais du coup il était archi archi beau, mais du coup bah, il restait plus que les bleus comme ça, paillettes. Donc j'ai acheté le bas comme ça. Merde, il y a des fils. En fait tous les vêtements il y a des fils, même Shane là, faut que je coupe. Il y a des vêtements qui ont des fils. Ils sont mes ciseaux. J'en ai essayé beaucoup hein, du coup. Donc à la base je vous ai dit je voulais le violet à paillettes, mais comme avec le haut qui m'allait et pas le bas, il n'y avait plus ma taille. Du coup j'ai pris en bleu qui est aussi très très joli, même si je préférais le violet. Donc voilà, et le haut il est comme ça. Et du coup j'ai pris du rose aussi qui n'est pas pailleté. Le rose je trouve c'est super joli. Et ça pareil, il y avait à peu près les mêmes modèles en vert, genre vert clair. Vert entre le clair et foncé, genre vert un peu turquoise, enfin, je sais pas trop comment expliquer, c'était trop beau, mais malheureusement c'est pareil, il y avait qu'une des deux pièces qui m'allait, donc chiant. Du coup, mais en vrai, vous voyez, je regrette parce que j'aurais pu acheter 2 pièces de plus, j'aurais dû acheter le haut violet paillette que j'aurais pu mettre avec un bas tout noir que j'ai, et je crois que le vert, je crois qu'il y avait que le bas qu'il y avait ma taille et pas le haut. Donc en fait j'aurais dû prendre le bas et j'aurais pu mettre le haut vert que j'ai. J'ai un haut vert que j'avais acheté sur Shane aussi, qui est en gros qui est un peu comme ça. Genre si on retire ça, ça fait un peu ça, mon haut vert. C'était dans une des dernières vidéos unboxing. Donc, en vrai j'aurais pu acheter le bas vert et le haut violet et j'aurais mis avec l'autre pièce de l'autre maillot de bain. Mais bon c'est pas grave. Et du coup... rose, bon les deux sont pas les mêmes roses, mais en fait il y avait un haut rose de la même couleur que le bas, mais il m'allait pas, donc j'ai préféré celui-là. C'est pas grave, c'est du rose hein. Du coup j'ai pris ce haut très très joli, et du coup le bas il est comme ça, voilà. Magnifique. Du coup, je vais les mettre. Mais ça va être galère d'attacher les hauts toutes seules. Du coup, voilà. Ce qui est bien avec ce haut, c'est qu'il monte comme ça, vous voyez. Et l'autre haut, bah là, je crois que c'était juste des fils. Donc, j'aimais moins. Et là, le bas, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler. Après, ça, c'est chiant parce que des fois, c'est traître. Genre, tu tires dessus et ça s'ouvre. Donc, bon, en gros, tu risques de perdre le maillot de bain. Mais au moins c'est bien, tu peux régler, si tu cours aussi un peu, tu peux desserrer et voir quoi. Du coup voilà pour le deuxième maillot de bain. Le haut c'est pas la même chose du coup. Mais voilà. Et le bas en fait là il est un peu grand, mais je crois que c'est fait exprès en fait. Genre là ça tient bien, mais là c'est grand. Mais je pense que c'est fait exprès. Du coup voilà, bien paillette et tout. Vous imaginez en violet comment ça aurait fait trop joli. Mais tant pis. Il n'y avait pas. Tant pis. Voilà. Du coup, c'est bon. Je vous ai tout montré. Mais c'est pas terminé. Je vous retrouve quand j'aurai bah, l'autre commande du coup. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup moins de choses. Mais je vous retrouve quand il y a l'autre commande. Heureux, on continue la vidéo unboxing. Et je vous expliquais, j'ai encore douillé ma mère. Genre, je vous jure, si un jour elle voit la vidéo, elle va dire mais c'est pas possible. Genre, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai dit que la première fois que j'ai reçu une commande là, j'ai recommandé un autre truc avant de recevoir la première commande. Et du coup, où elle mettrait son parti. Et du coup, j'avais trouvé l'excuse à ma mère de lui dire en fait, j'ai fait la commande en deux parties. Et c'est pour ça il y a la deuxième partie qui doit arriver après. Et en fait au final, j'ai pas réussi à tenir le secret. Donc là c'est censé être la deuxième partie de la commande, mais c'est une autre commande en fait que j'ai faite.
Et j'avais pas réussi à tenir le secret il y a quelques temps. Il y a quelques jours, j'ai avoué à ma mère qu'en fait c'était une nouvelle commande que j'avais fait et que du coup j'avais commandé parce que j'avais trouvé un truc pour faire dormir le chat et tout, et je lui ai montré. Donc au final, je l'ai dit avant de recevoir la commande. En fait, faut savoir que là, encore il y a genre 3 jours à peu près, j'ai refait une commande parce que j'ai retrouvé des trucs. Je me suis dit, mais comment je vais trouver l'excuse de dire ouais, faut encore qu'on aille chercher un colis genre dans une semaine. Et du coup, j'ai trouvé une excuse de malade. Je lui ai fait croire qu'on ne s'était pas du tout compris. Genre, je lui ai dit ouais, du coup là, ma commande elle est arrivée et tout, il restera plus que le dernier à aller chercher. Elle me dit bah quoi, comment ça je dis bah oui. Elle me dit bah je croyais que t'en avais que deux, que là c'était la deuxième partie et voilà. J'ai dit non, c'est mal. Enfin, non, elle m'a dit. Je croyais que là t'avais recommandé du coup, parce qu'au final je lui ai dit que c'était pas la deuxième partie, que j'avais vraiment recommandé, refait une commande. Elle m'a dit je croyais qu'il y avait que deux commandes. J'ai dit non, c'est pas compris. J'ai dit en fait la première fois j'ai vraiment fait une commande en deux parties. Du coup la dernière fois on a reçu une partie et là ça va vraiment être la deuxième partie de la commande. Et j'ai refait vraiment une autre commande. Je lui ai fait croire qu'on s'était pas du tout compris. C'est passé mais genre crème, c'est passé nickel. Elle y a vraiment cru. Du coup en fait au final j'ai fait 3 commandes. Et à chaque fois, je lui fais croire que c'est une autre partie de la commande et tout. Mais au final, j'ai fait 3 commandes. Je me calme. J'arrête. Hein, parce que là, voilà. On a ce qu'il faut. En plus, j'ai commandé beaucoup de robes. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, j'ai commandé des robes et des tops et tout. Elle m'a dit, ouais, t'as vu le temps qu'il fait. On est en été, il fait ce temps-là. Après, ça va être l'hiver. Après, ça se trouve, ça va plus t'aller ou t'auras changé de goût et tout. Donc, c'est vrai qu'elle a pas peur. Du coup j'arrête de commander. De toute façon pour l'instant je commande plus, parce que de toute façon j'ai plus de sous, donc je peux pas. De toute façon pour le moment je commande plus rien. Genre c'est bon. Il faut savoir que dans la nouvelle commande que j'ai fait, j'ai recommandé des trucs pour le petit chat. Je lui ai commandé des petites boules. Genre vraiment c'est des petites boules. Vous savez que de base c'est pour faire des activités manuelles. Genre vous collez les petites boules. Je sais pas comment expliquer. Mais là ils disent que c'est pour les chats. Bon, on verra. J'espère que c'est pas trop petit, parce que s'il peut l'avaler voilà. Mais je crois que ça fait à peu près cette taille là, donc ça devrait aller. Donc j'ai commandé des sacs qui étaient à 1€ et j'ai commandé un laser, sauf que sans faire exprès j'ai commandé en double. Pourquoi je commande en double sans faire exprès à chaque fois? Je vous dis, faut que je vérifie à chaque fois. Du coup j'ai recommandé un laser parce que j'en ai déjà plein, mais il y en a plein, chaque fois ils déconnent, genre j'ai l'impression que ça a une durée de vie les lasers. Et de toute façon je les trouve plus. Et j'ai commandé un espèce de petit coussin, genre c'est un espèce de coussin, j'ai commandé la plus petite taille. Genre j'ai commandé un petit coussin genre trop mignon, genre pour le mettre dans le truc où il va dormir. Du coup ma mère elle le sait pas, ça je lui ai pas dit. Donc je vais rien lui dire et je lui montrerai quand on aura reçu. Du coup voilà, de toute façon vous aussi vous verrez quand je recevrai. Voilà, donc la vidéo va être très longue je pense. Hein. Mais vous allez me dire bah, pourquoi tu fais pas 3 vidéos différentes. Parce que je préfère faire ça en une vidéo, c'est mieux. Même le montage et tout c'est plus pratique que de faire 3 différents. Voilà, du coup... La vidéo va être très très longue. Déjà que je crois que c'était pas mal long avant déjà. Là il y en a encore. Bon là j'ai pas grand chose. Et en plus entre deux je parle. Et après il y en aura encore une autre. Donc voilà. Donc déjà je vais aller en bas pour vous montrer le truc où va dormir mon chat. Du coup ça je l'ai déjà déballé dans la voiture et chez mes grands-parents. Parce qu'on est allé chez mes grands-parents après. Donc moi je l'ai déjà vu. Mais je vais vous montrer ça. Et après comme c'est surtout des vêtements après. Bah je remonterai et je vais vous montrer les vêtements et tout et on va tester. Du coup voilà. Du coup, on peut le plier comme ça. Genre vraiment quand c'est plié, c'est vraiment tout petit. Et il y avait plusieurs couleurs pour ça. Il y avait du rose, du bleu. Il y avait plein de couleurs, mais je trouvais que ça c'était plus neutre. Donc j'ai pris celui-là. Ça va avec tout au moins. Enfin, genre, je veux dire, ça va avec les murs, enfin voilà, alors du bleu ça aurait fait bizarre. Du coup, c'est comme ça. Attendez, je vais tourner la caméra, ce serait plus simple. Du coup, vous croyez que c'est vraiment grand comme ça, mais c'est pas aussi grand que vous voyez à la caméra, c'est parce qu'il y a vraiment un zoom énorme et je peux pas retirer le zoom. Mais du coup, je suis vraiment désolée. Mais donc, on peut ouvrir le haut, genre ça, ça s'ouvre. Et il y a un endroit qu'on peut ouvrir. Merde, je l'ai replié. Là aussi on peut ouvrir, ça s'ouvre là. Genre là, hop, on ouvre comme ça. Il y a une ouverture là et une ouverture en haut. C'est vraiment trop mignon, du coup le chat il sera dedans. On voit rien du tout, c'est vraiment très très chiant. Voilà. Genre le chat il sera dedans, c'est trop bien. Mais je sais pas
Je sais pas pourquoi, mais quand genre je mets en mode vidéo, ça fait un zoom, genre c'est bizarre, surtout quand la caméra est retournée. Du coup, go voir ce que j'ai reçu. Donc ça c'est un haut. Moi je m'en souviens parce que je suis souvent en train de regarder sur Shein si c'est arrivé ou pas. Donc j'ai commandé deux hauts roses, j'espère qu'ils vont m'aller. En plus les bretelles elles sont réglables. Ça c'est bien parce que souvent c'est les bretelles qui sont trop grandes. Oula, c'est bizarre comme système. Voilà. Donc le haut est comme ça. Du coup, go tester. Je vais essayer de vous faire une petite transition. Bah, en vrai, ça me va super bien. À part que là, bah, encore une fois, c'est un peu grand. Mais si je mets un soutif... Oh ! Du coup, je disais, sauf si je mets un soutif. Parce que là, c'est un soutif genre comme ça, vous voyez. Genre, c'est... Là, c'est juste du tissu. Mais ceux qui ont vraiment des bonnets à l'intérieur, genre... ça peut peut-être plus le faire. Donc, mais sinon, la taille est vraiment bien. Genre, c'est pas trop grand, ça va. Et puis, j'adore la couleur. Donc, vraiment, je suis à fond dans le rose en ce moment. Mais après, les bretelles, je pense, il faut les resserrer encore un peu plus. Mais sinon, vraiment, c'est très joli. En fait, c'est vraiment au niveau de la poitrine que ça va pas. Parce que, genre, vous voyez que là, genre, en fait, je sais pas comment expliquer. Genre si c'était comme ça, ça irait mieux. Alors que genre là ça va vraiment sous les bras, enfin je sais pas comment expliquer. En fait c'est vraiment taillé, pas pour les petites poitrines quoi, genre. Mais sinon en soi ça va, genre vous voyez là ça fait bizarre. Mais bref, sinon ça va. Ensuite, tant qu'on y est, on va tester l'autre. Au rose, lui j'ai peur parce que ça fait ça genre ici, du coup j'ai peur que ça fasse moche ou qu'on voit et tout, donc on va tester. Déjà la matière est super bizarre. Ah oui, il se met comme ça. Du coup attendez, je vais vous refaire une petite transition. J'espère que mes transitions sont bien, ça va être nul. Attendez, je recommence. Bon, encore une fois, je trouve que c'est plus adapté pour les grosses poitrines, mais je trouve que ça va parce que vous voyez, ça fait, même si on tire un peu dessus, ça va, genre c'est pas, on boit pas tout, franchement ça va. Mais encore une fois, je trouve que quand t'as une petite poitrine, c'est pas super joli, mais bon, sinon ça va. Après sinon, je trouve, niveau esthétique, moi je vous dis, il y a plein de trucs que je trouve pas ça va sur moi. Genre en fait il y a plein de trucs comme les trucs comme ça, je trouve ça va plus pour les gens qui ont des grosses poitrines, ça leur va mieux que des gens qui ont ma morphologie. Mais et du coup derrière c'est comme ça. Mais du coup sinon ça va moi je trouve, hein. Mais je trouve pas ça super beau non plus. C'est bon, j'ai trouvé aussi le truc qui fait bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de soutif. Genre en fait les meufs qui ont des grosses poitrines, genre ça fait vraiment bien rond. Du coup genre ça fait que ça fait pas bizarre, mais là genre les petites poitrines je trouve ça fait bizarre de pas mettre de soutif. Bon après ma morphologie va changer et enfin j'espère et je pense que ça m'ira toujours, donc voilà, mais ça se trouve j'aurais changé de goût aussi et tout, donc voilà. Mais je pense que ouais, dans quelques années à mon avis ça m'ira toujours, donc mais du coup voilà. Mais franchement je sais pas trop si je me vois sortir comme ça, genre je sais pas, je trouve on voit trop la forme des seins et tout, j'aime pas trop, donc plus pour traîner à la maison quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Une robe? Bah je m'en serais doutée, dis donc. Elle me paraît super grande par contre. En fait elle est lourde. Bon, du coup, go refaire une transition, écoutez. C'est très particulier. Je ne comprends pas comment elle se porte, la robe. Genre, en fait, ça, je trouve ça trop bizarre. Genre, déjà, voilà. Et en fait, je sais pas si ça doit être là. Et si c'est ça, franchement, ici, voilà quoi. Ou si ça doit être bien là.
Et si c'est là, je trouve ça bizarre. Enfin, pour moi, ça va plus ici, genre. Mais si ça, genre vraiment, là, ça... Je sais pas. Genre, même quand c'est comme ça, là, genre, je me sens grave nue. Là, j'ai vraiment l'impression de rien avoir. C'est super bizarre. Vraiment, là, je suis... En fait, mais même quand je fais ça, mais on voit tout. Alors, faut mettre un soutif avec. Mais même si tu mets un soutif, c'est bizarre. Non, mais vraiment, le... Genre, vraiment, là, je vois tout. Genre, vraiment, là, c'est pas du tout serré, genre. Faudrait que ce soit plus serré. Vraiment, je suis très... vraiment... Mais c'est chiant parce qu'en fait, sur Shein, quand tu veux renvoyer un truc parce que ça va pas, faut payer. Donc, en tous les cas, tu payes quelque chose. Donc, autant garder le truc et y avoir un truc... Mais ça, encore une fois, vous voyez, je pense que c'est pour ceux qui ont des grandes poitrines. Parce que genre là, ça fait bien ça. Et du coup, c'est pas trop grand. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment une grande réussite. Hein. Voyons le dernier vêtement à essayer, qui est encore une robe. J'espère que ça va aller. Comme ça, au moins, ça va faire moitié-moitié. Il y en a deux qui vont bien, deux qui vont moyen. Mais du coup voilà, donc c'est une robe, je sais même pas, attendez, comme ça, du coup go essayer, hein. Encore une petite transition. Bon, moitié bien, moitié pas bien. Déjà le nœud, bon, peut-être que je me suis pas vraiment appliquée, d'accord, mais attendez. On peut pas faire de zoom, c'est nul ça. Bon, mais le nœud de la photo, voilà, le nœud quand je le fais. Alors soit c'est vraiment moi qui n'ai pas du tout douée, mais il y a quand même un léger souci, il y a une légère différence. Voilà, on va essayer de le refaire le plus proprement possible. Ouais, non, il y a toujours un problème. Déjà, le truc, ça se tourne. Ouais, bon, il y a encore un problème. Après, donc, à part le nœud qui est très moche, la robe en soi, j'aime beaucoup. Petit souci, la taille. Bon, voilà, ça tient absolument pas. Là, pareil que d'habitude, faut avoir des gros seins pour que... Voilà. Genre, parce que là, sinon, c'est trop grand, genre. Regardez. Donc bon, en soi la robe est belle, mais très mal taillée je trouve, et le nœud, pas du tout comme sur la photo. Hein. Du coup, maintenant on passe aux 4 derniers trucs que j'ai achetés, qui sont pas des vêtements, donc c'est des limes déjà, parce que j'en avais plus du tout. Il y en a 5, donc j'en ai commandé des rigides, parce qu'il y en a, vous savez, c'est juste une barre fine, genre, et tu peux la plier comme ça, genre, et j'aime pas ça. Genre, j'en ai, mais ouais, genre des comme ça. Comme ça, je trouve ça pas... Voilà, mais elles, vraiment, c'est des épaisses. Je préfère. Donc voilà, en plus, c'est des rondes comme ça, et apparemment, c'est plus pratique. J'avais vu un tuto pour faire les ongles et tout, ils disent que c'est plus pratique. Ensuite, ça, c'est pour couper les sourcils. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin. Mais en plus, je croyais qu'il n'y avait qu'une pièce. Mais en fait, non, il y en a 3. C'est trop bien. Bon, là... Wow, c'est super peur. Genre, moi, j'ai juste acheté pour faire le milieu, vous voyez, parce que la forme, bon, pour l'instant, voilà. Genre, juste pour couper là, vous voyez. Je sais pas trop comment ça s'utilise, j'ai un peu peur. En plus, là, c'est dans le reflet. Donc, voilà, je sais pas trop, mais... Je verrai quand on y verra mieux. Et du coup, voilà. C'est coupé en deux. Ensuite, j'ai acheté un petit collier qui était vraiment pas cher. C'est un collier de grain de café. Il y en a plusieurs. Genre, c'est pour mettre un comme ça et un qui est plus court, je crois. Ouais, donc lui, je crois que c'est celui qui est plus court. Attendez, parce qu'il faut tous les mettre dans le bon sens. On verra, la flemme. Genre, en gros, non, il se met comme ça. Ça a l'air d'être vraiment chiant pour tous les mettre dans le bon sens.
Mais il y en a un, du coup, il se met comme ça. Et l'autre, qui se met comme ça. Dessous. Attendez, comme ça. Alors, vous avez capté. Bon, là, avec la tenue, en plus, c'est pas ouf, mais... Donc, voilà. Après, j'ai commandé un truc pour les cheveux. Alors, ça... Je sais même pas le mode d'emploi. On se retrouve dans 3 jours. Je sais pas du tout comment ça s'utilise par contre. C'est de la poudre pour se teindre les cheveux en gris ou genre juste des mèches. Moi, bien sûr, je vais pas me teindre tous les cheveux en gris, même si je trouve que ça fait beau. Franchement, les meufs qui ont les cheveux gris ou tout blanc là, c'est trop joli. Désolée si vous entendez ma mère derrière. Tout le temps, elle me fait des réflexions, ça me saoule. Comment ça se retire ce machin ? Putain, ça m'énerve. Oh, mais ok. Fallait le dire avant. Et maintenant, je pense que je vais faire un trou parce que pour décoller ça, il n'y a même pas de languette, c'est n'importe quoi. Oh, waouh, 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 c'est liquide! Mais je pensais que c'était de la poudre. Oh, ça sent bon. Mais ça sent le shampoing ou. Oh, c'est bizarre! Mais attendez, j'ai trop peur. Oh. Tout le temps, pendant que je suis en train de faire une vidéo, elle est obligée de parler. Elle peut pas attendre que j'ai fini. Si vous remarquez, dans toutes mes vidéos, on l'entend parler. Alors, je sais pas du tout comment ça se met. Alors, ça se met comme ça. Genre là, je vais avoir les cheveux gris. Faut peut-être rincer après. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. Il n'y a pas de mode d'emploi. Oh putain, mon ongle. Oh là. Mince, j'en ai sous l'ongle en fait. Ok, du coup, en gros, c'était marqué en anglais, mais je suis allée sur Google Traduction pour faire la traduction. Et ça dit, appliquer... Genre sur cheveux secs, après attendez que ça sèche naturellement ou sécher avec le sèche-cheveux. Et voilà, profitez. Déjà, ça en mêle bien. Peut-être qu'il faut en mettre plus. Hein. Ouais, ça en mêle mes cheveux maintenant. Et personnellement, ce n'est pas devenu blond. Donc, il va falloir m'expliquer. Peut-être qu'il faut en mettre plus. Hein. De toute façon... Du coup, j'ai regardé les commentaires et vous allez me dire que tu n'as pas regardé avant, si, mais en fait, le problème, c'est que je regarde que les commentaires du haut, vous voyez. Et en fait, souvent, les commentaires nuls, ils sont plus à la fin. Et donc, en fait, c'est vraiment mitigé. Il y en a qui disent, ouais, ça marche bien et tout, ils prennent en photo. Et il y en a qui disent, ça marche pas du tout, très déçu. En plus, il y a quelqu'un qui a dit, conseille pas du tout, ça assèche, ça abîme les cheveux, ça les casse, enfin bref. Et... il n'y en a pas beaucoup qui ont commandé en blanc, la plupart ont commandé en violet, rouge, enfin voilà. Et en fait, je crois que les gens, ils testent plus sur des cheveux clairs, pas trop foncés déjà, donc voilà. Et surtout le blanc, genre à mon avis, les gens qui ont acheté du blanc, c'est pour cheveux clairs et non foncés. On voit qu'il y a une légère différence, j'ai regardé dans la glace. Non, en vrai, ça marche pas du tout, j'ai envie d'essayer sur mes sourcils, ils sont plus clairs. Venez, j'essaye, on s'en fout, c'est pas permanent. Bon, c'est bon, c'est sec et ça a absolument rien changé. Genre vraiment rien du tout. Donc vraiment ça c'est un échec mais total, ça ne marche pas du tout. Donc voilà. Du coup en vrai cette commande bof, genre vraiment bof. Bah les limes forcément ça va. Ça je sais pas, on verra. Ce haut là il va bien, l'autre haut j'aime pas du tout. La robe blanche c'est vraiment bof, genre je sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Parce que déjà, bon déjà à porter, je veux dire, je mets pas ça, genre par exemple je mettrais pas ça au lycée, je veux dire, donc
Donc voilà. Genre vraiment juste quand je sors, mais en plus à le fait qu'on voit tout et tout, enfin je veux dire que t'es pas à l'aise, genre à moins que je m'aide juste pour aller faire une promenade, voilà. Mais si je vais quelque part, que je suis invitée quelque part et tout, enfin je veux dire je vais pas être à l'aise, si je mets ça on voit tout, enfin genre voilà quoi, donc franchement je sais pas du tout. Et ça c'est un échec, bah, le collier ça va forcément, enfin de base. Que franchement ça c'est vraiment bof hein. Attendons de voir la dernière commande, j'espère que ce sera mieux. De base j'ai moins commandé des trucs risqués. Ah oui, du coup ça en soi ça va, mais oui ça va, c'est joli, voilà. Mais dans la dernière commande j'ai vraiment moins commandé des trucs risqués. Il y a deux hauts et il y a une robe je crois. Les deux hauts, c'est un petit peu risqué en vrai parce que c'est vraiment des hauts moulants. Donc faut vraiment que ça taille bien parce que si c'est un peu trop petit sous le bras ou ce genre de choses, ça va me gêner et ça va être chiant. Donc vraiment les deux hauts, faut qu'ils taillent bien. Et la robe en vrai, c'est une robe assez simple donc c'est pas trop risqué. Mais bon, comme c'est une robe, on sait jamais non plus. Et sinon le reste, je sais plus trop ce que j'ai commandé, mais je crois que c'est pas des vêtements. Donc de base, c'est moins risqué. Voilà, j'espère. Du coup, la vidéo va être vraiment trop longue. Hein. Bref, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve dans à peu près une semaine, je pense, pour la suite de la vidéo. Salut, du coup, j'ai reçu la dernière commande. Et je suis aussi allée à Leclerc chercher des fournitures. Du coup, ça sera dans une autre vidéo que je tournerai certainement juste après. Du coup, je vais vous faire l'unboxing chain de ma dernière commande. Je sais plus du tout ce que j'ai commandé. Plus quelques trucs, mais le reste, je ne me souviens plus trop. Bon, déjà, on a... Ah ouais, c'est vraiment petit. Hein. Moi, je pensais que c'était plus grand que ça. Mais on a des trucs pour les lèvres. Bon, déjà, quand on voit le derrière, ça ne donne pas trop envie, quoi. Mais bon, je vais quand même essayer. Même l'emballage, il est tout... cassé. Alors on a rose, alors rose sakura, je sais pas c'est quoi, oneil c'est miel, avocat encore du miel, et ça c'est du miel d'or de, attends, peach c'est quoi, c'est de pêche, du miel de pêche, ça c'est juste du miel, et ça origine flavor, je sais pas ça veut dire quoi flavor. Alors là, bon, on va essayer celui-là. Je vais essayer de sentir, vous redire si ça sent quoi. Mais vraiment, c'est vraiment tout petit. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Ça a vraiment pas trop d'odeur. Pour appliquer ça, bon courage. Hein. Faut le chauffer avant, quoi. Sinon, une fois sur les lèvres, ça va, ça sent bon. Hein. Ouais, en vrai je valide. Non, c'est pas très pratique, franchement il y a vélo c'est plus pratique, mais chez nous franchement ça va. Bon, juste je me disais pour le prix ça vaut vraiment le coup, mais vu comment c'est petit, bon. Ensuite, bon, il y a vraiment beaucoup de choses hein. Ça c'est le truc pour les cheveux, on va tester après, je vais mouiller une mèche exprès. Ah oui, il y a les élastiques. On a ça. On a ceux-là. Oh, c'est trop bien. En plus, il y a des petites bouteilles. Genre, c'est trop bien. Tu sais, tu mets un truc comme ça, là. Comme les trucs de papier toilette. Comme ça, après. Il m'a l'air petit. Je pensais que c'était plus grand, mais c'est des élastiques. Donc... s'étendent bien. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air un peu fragiles par contre. C'est basique quoi. Mais bon, sinon franchement c'est bien. Hein. Avec les petits bocaux en plus. Le rose fluo est vraiment très joli. Hein. Oh, j'avais pas vu les bouchons, ils sont aussi en rose. Du coup, voilà, ça je vais ranger avec les trucs pour cheveux. Ensuite, ah, c'est les lasers. Donc du coup, là, j'ai commandé des lasers pour le chaton.
Je voulais en commander qu'un à la base, sauf que j'en ai commandé deux sans faire exprès. Ça se trouve à faire des piles. J'en ai commandé deux sans faire exprès. Ah non, ça se recharge. Mais j'ai le seum parce que je me suis dit, quitte à en avoir commandé deux sans faire exprès, j'aurais voulu qu'il y en ait deux de couleurs différentes, quoi. Et là, je crois que c'est les deux en violet. Sauf s'ils se sont trompés sur un. Et pour une fois, j'aimerais bien. Mais... C'est quoi ça ? Ça marche ? Ah oui, c'est vrai. En fait, regardez. Il y a le truc là-dessus. Du coup, ça fait des plein de petits points comme ça. Je vais essayer de vous montrer sur le mur. Je fais plein de petits points comme ça. Ça va, en vrai, il y a une longue portée. Hein. Donc, du coup, il faut retirer ça dessus. Et ça va faire le point normal de base. Wesh, ça fait... En fait, ça fait un point, mais qui est constitué de plein de mini-points. Ça se voit quand on le fait de loin. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais... Du coup, en vrai, ça va, il y a une longue portée. Par contre, c'est pas super puissant comme moi, les autres, j'avais. Ceux qui étaient verts, on pouvait pointer. Là, je pourrais pointer sur un arbre dehors, on voit le point. Mais là, non. C'est pas assez fort. Mais sinon, c'est bien. Pour les chats... Sans laser, quoi, c'est bien. 7€ pour 7€, franchement, heureusement que c'est bien. Du coup, ça c'est bon. L'autre, je vais pas le déballer du coup, parce que je vais le laisser emballer. Ça sert à rien de le déballer. J'ai commandé des pompons comme ça pour le chat. Je pensais pas qu'ils étaient aussi gros en fait. Je pensais qu'ils étaient plus petits. Mais bon, c'est pas grave. C'est que le chat il joue avec. Par contre, faut faire gaffe. Je pense que je mettrai que dans son truc pour dormir parce qu'avec Richie, ça craint si elle les avale. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le machin de cire. Moi, je me demandais pourquoi le colis il est aussi grand, mais. Oh my god. Donc, du coup, on a de la cire. Comme ça et comme ça. On a des petites spatules pour appliquer la cire. Et on a le truc. Il y a une notice, heureusement. Franchement, ça doit pas être sorcier. Hein. On. Ah, il y a encore de la cire à l'intérieur. Du vert. Un autre bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça se met comme ça. En fait, je pense que tu mets la cire dedans. Et après, en fait, tu dois faire flotter au bain-marie. À mon avis, je pense que tu mets de l'eau dedans. Et tu mets comme ça la cire. Et la cire elle va chauffer. Et après tu fais on. Par contre, med et i. Je sais pas ça veut dire quoi. Faudra lire la notice. Ça a pas l'air d'être très sorcier, franchement. Mais je vais pas tester. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale où je teste. Parce que je sais même pas comment ça se referme. Je vous ferai une vidéo spéciale où je teste. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de tester. Et j'ai pas envie. Donc quand je testerai, je vous ferai une vidéo. Je vais essayer de tout remettre dans le carton. Je n'ai pas réussi, c'est pas grave, le carton ferme pas. Ensuite, ça, franchement, j'étais vraiment pressée de le recevoir. C'est un petit dodo pour le chat. En plus, c'est la couleur que je voulais. Un petit truc comme ça pour qu'il dorme dessus. En plus, c'est cette couleur-là que je voulais. Il y avait trois couleurs et c'était couleur aléatoire. Et c'est cette couleur-là que je voulais. Du coup, ça fait un petit dodo pour le chaton, c'est trop mignon. Ah mince, mon oncle. Du coup, je lui installerai avant qu'il arrive tout ça. J'adore, franchement. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais c'est chaud. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le truc... le haut moulant. Incroyable. Je sais pas si je teste au fur et à mesure ou si j'ouvre tous les vêtements que je teste après. Je pense que je vais faire ça. Du coup, il y a ce haut. Ça, c'est la robe. La matière est trop bizarre. Ah, mais en fait, il n'y a pas les manches à part, mais il y a un fil. Du coup, ça, c'est bien. Mais la matière, elle est vraiment bizarre. Hein. C'est comme ça. Elle me paraît vraiment petite. Hein. On verra. Après, ça, c'est le haut Brésil.
ça c'est le pyjama. Je disais aussi pourquoi il y a plusieurs parties. Du coup, on a le petit haut, le short et le pantalon. Là voilà. Et après, on a le haut des îles, du coup. Je suis vraiment pas fan du vert, par contre. Hein. Mais franchement, il est incroyable. Il est trop beau. Et pour finir, on a la tenue qui est comme la robe, un peu, mais c'est une tenue aussi. C'est... la veste comme ça. En plus, la veste, tu peux la mettre avec tout, genre, c'est trop bien. Et ça fait une jupe. Voilà, mince, c'est pas comme ça, peut-être. Voilà. Du coup, je vais tout tester. Je vais vous refaire des petites transitions, ça va être sublime. Waouh. Doucement, vous inquiétez pas, j'ai un short. Hein. Ok, première transition. Bon, du coup, le haut est bien, je trouve qu'il taille très bien. J'ai gardé juste mon bandeau dessous. Je trouve que le haut taille très bien. Et la jupe, bon, la jupe, elle est, j'ai gardé mon short en dessous, mais la jupe, elle est vraiment grande. Hein. Genre là, elle sert pas assez, il faudrait resserrer un petit peu comme ça. Vraiment, la jupe, elle sert pas assez du tout. Regardez. Ouais, non, c'est trop grand. Il faudrait que ma mère me la resserre un petit peu parce qu'elle ne sert pas du tout. Sinon, le haut est parfait. Bon, du coup, voilà. Et les manches aussi, ça fait un peu grand, mais bon, ça, à la limite, voilà. Du coup, deuxième transition, je vais essayer ce petit haut. Franchement, il est parfait. Bon, juste que j'aime. Ouais, non, c'est bon, ça marche. Après, j'ai juste mon bandeau dessous, j'ai pas de soutif, donc ça fait bizarre. Mais sinon, il est vraiment sublime. Vraiment, j'adore. Je sais pas avec quoi le mettre en bas. Peut-être un jean noir simple. Si tu mets un jean bleu avec ça, après, ça peut aller. Mais je suis pas fan de mélanger autant de couleurs. Mais sinon, ouais, genre, il est grave bien. Franchement, j'adore. Du coup, voilà. Maintenant, je vais essayer la magnifique robe. Du coup, là, franchement, je suis sceptique. Hein. Franchement, je sais pas si ça va aller. Mais go essayer. Bon, je ne vois pas à quel moment c'est censé aller. Mais non, bah non, en fait, ça ne tient absolument pas du tout. Regardez tout ce qu'il lâche. Non, là, vraiment, il y a vraiment un problème, un gros problème. Quand, en fait, j'ai retiré la robe, voilà. Mais du coup, maintenant, je vais tester ce magnifique haut. J'espère vraiment qu'il va aller. Du coup, ben, en vrai, il est incroyable. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu grand. J'aurais préféré vraiment que ce soit moulant comme ça. Mais du coup, là, c'est pas moulant, quoi. Du coup, quand je bouge, ça fait ça. Donc, bon, ça me saoule parce que tous les vêtements, c'est pour les gros, genre. C'est bon, fait pour les fins aussi, au bout d'un moment. Enfin, bref. Mais du coup, j'ai pas compris ce que je vais le mettre parce que ça m'énerve. Genre, puis ma mère, elle peut pas faire de points sur du filet ou même là-dessus. Enfin, genre, ça serait bien si c'était comme ça, quoi. Mais là, non. Par contre, avec un bandeau, ça va pas du tout. Regarde, on voit carrément le bandeau. Genre, faut mettre un soutif avec ça. Mais ouais. Il est bien sinon. C'est juste qu'il est trop ample là en fait. Mince, du coup, dernier truc à essayer, c'est le pyjama. Ben, vous savez quoi? Pour une fois, les bretelles ne sont pas trop grandes. Parce qu'à chaque fois, tous les pyjamas que j'achète, les bretelles sont trop grandes. Là, c'est vraiment parfait. Bon, il y a juste le short qui me pose un petit souci. Bon, j'ai pas encore essayé le pantalon, mais c'est ça, là. Pourquoi cette découpe, là? Genre, je comprends pas. Après, derrière, c'est pareil, c'est grave court, hein. Genre, ils auraient dû faire une coupe, genre, comme ça. Mais là, j'aime pas du tout la coupe, hein. Franchement, le short, c'est pas très beau, quoi. Mais bon, après, c'est juste pour rester à la maison, mais quand même. Du coup, je vais essayer le pantalon. Le pantalon, franchement, ça va. Il sert bien au niveau de la taille.
c'est pas trop court. Donc quand je lève les jambes, oui, mais sinon, sinon ça va. Franchement, le pantalon, je valide de ouf. Hein. J'aurais dû faire les photos avec le short pendant que je l'avais. Du coup, c'est pour les commentaires, mais... En fait, les bretelles, elles se barrent. Elles sont de la bonne taille, mais elles se barrent, c'est bizarre. Bon, nous allons tester ça, là. Alors, j'ai vraiment peur. C'est marqué « Attention, ça brûle les yeux ». Bon, d'accord. La notice est en anglais, je ne comprends rien. Donc, on va y aller au talent. Problème, il faut que je me mouille un peu les cheveux pour voir si ça marche. Et je n'ai plus d'eau dans le pchit, du coup il va falloir que j'en remette. Maintenant, il me faut de l'eau. C'est pas de l'eau là-dedans, c'est quoi? Oh, ça pue! Mais je pense que... Ah, oh, c'est schlingue! Mais je pense que c'est parce qu'il y avait du parfum avant dedans. On va mouiller ça. Bien, bien mouillé. Et mes cheveux là, ils sont pas brossés, donc on va voir si ça marche. Voilà, on va tester sur cette mèche. Donc du coup, je crois qu'il faut tourner ça. Ah là, c'est mode plus chaud. Et là, ah là c'est bien. Là, ça chauffe. C'est encore un peu mouillé parce que j'ai mal fait, mais c'est bien, surtout pour la frange, je pense que c'est bien. Regardez ce côté là, attendez, je vais essayer de l'autre côté. Franchement, je valide de ouf. Vraiment, c'est trop bien. C'est révolutionnaire ce truc. Hein. Ça fait un peu moche les trucs qui font ça comme ça. Mais vraiment, franchement, je valide de ouf. Enfin, c'est mieux quand c'est cheveux basiques. Parce que ces cheveux basiques, tu les brosses. Après, tu sèches avec ses cheveux et puis tu les brosses. Et même, hein, c'est les deux en même temps. Donc, franchement, j'adore. Franchement, grave validé. Bon, du coup, cette vidéo unboxing est finie. Enfin, les trois commandes sont arrivés, on en a terminé. Maintenant, si je refais une commande qui sera pas demain la veille, ça sera dans une autre vidéo. Et là, je vais vous faire une deuxième vidéo à la suite, mais ce sera dans une autre vidéo. Du coup, c'est mes fournitures scolaires. Du coup, je vous invite à la regarder. Bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu.